I'm going long. Reposez. Dans quelques instants, la section de l'adjudant Sandier va être présentée au drapeau du régiment, puis le chef de corps s'adressera à la section. Le drapeau est l'emblème du régiment et de notre patrie. Autrefois, il était le signe de ralliement autour duquel, dans la confusion du champ de bataille, les combattants se regroupaient et serraient les rangs. Aujourd'hui, il est le symbole de l'honneur militaire et des valeurs fondatrices de la France. C'est autour de ces trois couleurs que s'unissent la nation et son armée. Le drapeau porte aussi en ses plis la mémoire des 477 parachutistes du 3e RPIMA morts pour la France. Il porte les inscriptions Indochine 1948-1950, 1952-1953 et Afrique du Nord 1952-1962. Ces décorations, ces 6 citations, dont 4 à l'ordre de l'armée et sa fourragère, rappellent notre engagement en Indochine, en Algérie, au Liban, en Afrique, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en République centrafricaine, au Mali ou très récemment au Tchad et au Niger. À l'issue de leur présentation au drapeau du régiment et de l'allocution du chef de corps, débutera la remise des fourragères. La fourragère devient une distinction militaire et apparaît dans sa forme actuelle en 1916. En pleine bataille de Verdun, le commandement juge nécessaire de renforcer l'émulation et l'esprit de corps dans une armée qui se bat depuis 20 mois. Aussi, décide-t-il de créer une distinction appelée la fourragère, rappelant de façon permanente les actions d'éclat de certaines unités citées à l'ordre de l'armée. C'est le 27 décembre 1951, lors d'une cérémonie à Vannes-Mecon, que le drapeau du 3e RPIMA est décoré de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures pour ses actions en Indochine. La fourragère est décernée solennellement à chaque marsouin parachutiste au terme de sa formation initiale lorsqu'il est présenté au drapeau du régiment. Le major de section se verra remettre sa fourragère par le chef de corps. Les cadres militaires, les anciens combattants et les autorités civiles remettront leur fourragère aux autres marsouins parachutistes.